Salut à tous, tonton Jim, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Dreux, à 1h15 à l'est de Paris, sur un terrain de plusieurs dizaines d'hectares de forêt, avec en son centre des bâtiments de 1, 2, 3 étages, si je ne dis pas de bêtises, du sous-sol, des bâtiments qui communiquent entre eux. Ça exige une approche assez polyvalente, parce qu'il y a à la fois de la forêt, d'une minute à l'autre on se retrouve en bâtiment, il faut revoir sa formation, sa structure, ses habitudes, et c'est en ça que c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé, c'était ma première sur ce terrain. Nous sommes une centaine de joueurs, divisés en trois camps, avec l'objectif principal qui est de capturer deux pilotes, les identifier déjà, les localiser, aller les chercher, les capturer, les ramener à un point précis. Et je vous invite à nous suivre pour cette première phase de jeu. Nous sommes une douzaine, nous allons fonctionner en squad et c'est parti. Ça c'est pas nous. Non, c'est allemand. C'est bon. Ouais, il y en a qui s'est échappé sur le côté, les gars. Tonton, pour Ambrose, vous êtes toujours en position? Ouais, ici tonton, affirmatif. Je suis toujours à la même position avec au moins une dizaine d'hommes. Ouais, tu fais l'aile gauche? Ça tire. Ça tire. Ça tire le bâtiment de gauche. Visuel, côté gauche du bâtiment, il longe. Tonton, pour Seraph, ça bouge dans l'aile gauche là. Tu confirmes que c'est à nous ou pas? Ça bouge à tes 10 mètres qui est entre les deux bâtiments et nous on est accroché au bout de l'aile du bâtiment. Ok, reçu. On confirme, hein, c'est bien ennemi en face. C'est ennemi, aile gauche du bâtiment. Elle reste de notre côté, hein, tonton, pour un bas, on est aile droite. Ok, ici tonton, reçu un MAS RAS au centre et apparemment ça accroche sur l'aile de Seraph, aile gauche, terminé. Tonton, pour un MAS, tu prends 3 gars avec toi si tu veux et tu pars en reconnaissance pour essayer de repérer les pilotes, à toi. Attends, je viens vers toi. Pour Hamza et pour Tonton, on se replie sur votre position, il y a du monde pour nous de l'autre côté donc on se replie. Reçu. Ils se replient, donc non, ils se replient parce qu'ils se font déborder ou c'est quoi le délire? Je sais pas si c'est. Pourquoi tu veux qu'on. Pourquoi vous repliez? Vous faites déborder, c'est ça? Non, il y a trop de monde à nous là-bas. D'accord. Donc si on va chercher les pilotes, ils sont combien? Ils sont suffisants pour pouvoir s'étaler? Franchement, ouais. On en a un étage et en bas. Faudra les prévenir, on n'a pas de contact radio avec eux? Oui, ils ont compris, on leur a dit quoi faire et ils sont partis. On bouge. Ok. Ok, on confirme, on bouge. Alors, petit rappel de la situation, on quitte le bâtiment car il est occupé quasi dans sa totalité par les alliés. Je vous rappelle que l'objectif commun des trois camps qui s'opposent aujourd'hui, enfin du moins cette matinée, est de trouver et de capturer les deux pilotes. Aucune trace des pilotes pour le moment. On essaie d'aller sur le bâtiment voisin avec le squad afin de le checker, de vérifier qu'il n'y ait pas de trace de pilotes sur place. Je trouve que ça va être un peu plus compliqué que ça. Voilà, je vous laisse découvrir la suite. On est toi, Hamza, ou pas? On est toi ou pas? Cinq avec lui. Hamza, contact couloir. Bon, on rentre tous les gars. On rentre en stick. Faut nettoyer. Il est le gamin ça. Il monte son bras là. En stick, en stick. Rentre. Faut fermer derrière. Hein. On n'oublie pas. Protège-toi bien, hein, celui-là.
Le premier qui tombe, il se met à genoux. Hein. Ah, c'est un escalier qui va du monter. C'est monté à l'étage. S'il y a un groupe qui peut monter à l'étage par le fond. Là. Lucky, prends un groupe, monte l'escalier. On les prend en étau. Ils sont montés ? US étage, tu confirmes ? US étage. US rez-de-chaussée ! Oui, bon. Est-ce que tu peux m'envoyer de 5 pour nettoyer le sous-sol du bâtiment ? Reçu. On vient tous. Étage rez-de-chaussée sécurisé, on rentre dans le sous-sol. Terminé. Il est pas tous, les mecs. Je vais juste chercher moi le sac. Moi j'ai qu'une lampe sur la deuxième. Je suis. T'as une lampe ? Séraph ? Séraph ? Ouais. Ok. Ça vient d'où alors ? Bougez pas, on check. Ores, on good. C'est clair dans le sous-sol. Attends, il y a Scooter qui renfort arrière du bâtiment, renfort arrière du bâtiment. La situation se complique. Aucune trace des pilotes à tous les étages, sous-sol compris. Scooter qui est sur ma gauche a localisé une approche. On ne sait pas si c'est avec nous ou contre nous. On va essayer de gérer ça au mieux, mais il faut absolument qu'on sorte de là. Combien le Pax ? Ici tonton, je suis sur la scène. Apparemment, c'est échange de tir avec Contractor. Contractor, même équipe que nous, les gars. N'engagez pas, les gars, n'engagez pas, c'est Contractor. Hein. Je peux pas te le confirmer. Scooter, on doit pas engager. C'est pas à nous? On charge. Scooter, on retourne dans la baraque. Merde. Appui-feu, de besoin d'appui-feu de l'étage. Urgent, les gars. Ceux qui sont dans la baraque, appui-feu de l'étage pour qu'on puisse replier au rez-de-chaussée. À vous. Un homme à terre, ici, un homme à terre. J'ai besoin de bruit, les gars, juste de bruit. Fais gaffe à ta gueule. Allez. Là. Tic-tac. C'est bon. Montre. Besoin d'un médic ici. On se réunit à l'entrée du bâtiment, les gars. On décroche. Go. Vas-y, je prends, allez, je ferme. Shoot. Vas-y, je ferme. Autant il était facile de rentrer dans ce bâtiment, maintenant il faut en sortir et j'ai l'impression que c'est une vraie galère. On est bloqué sur l'arrière du bâtiment, on est bloqué sur les côtés du bâtiment.
les ennemis se rapprochent de plus en plus. J'ai l'impression que c'est une sorte de traquenard. Il faut absolument qu'on sorte de là et on va essayer d'utiliser la porte principale pour rejoindre le bâtiment suivant et refaire le même schéma. Dégagez le couloir, les gars. Si t'as pas répondu, tu tires, c'est barré au courant. Ici tonton, rez-de-chaussée, milieu du bâtiment, à toi. Point munitions, là, gars. Il me reste un chargeur PA. Tu veux dans mon T5 bis. Ah putain. Faites gaffe, les mecs, avec le fumigène, ils bloquent l'entrée, on voit rien. Je vais prendre ta position, tu vas recharger. Oui, mais j'en ai aussi pas. C'est bon? Les gars, pas en tête, on va lancer un fumigène. On est juste au-dessus du fumigène. Ok, reçu. Je guette aussi la même porte. Bon, on arrive sur l'arrière du bâtiment à deux. On dégage un peu de sur le chemin. Voilà. Reçu, tic-tac, on a bien entendu. On sort par l'arrière du bâtiment. Préviens les US que nous sortons. À toi. Annoncez-vous. Dites US s'ils tireront pas. Reçu. Allez, ceux qui sont devant, go. Vas-y, Toff. T'es le dernier. Pour les US. On protège les positions. Et tonton pour étage, on évacue. Vous êtes tous dehors. Fais gaffe, t'accroches pas ton tuyau. Tu vas t'envoler, fais gaffe, ça décroche. On va monter à 500 mètres d'altitude. Ok, jetpack activé. On va prendre direction des bâtiments là-bas. Enfin, on y va. Ça arrive. Ah mais là t'as aucune chance de l'avoir, arrête de tirer pour tirer quoi. J'ai un miracle. Il semblait tout à l'heure avoir repéré une tenue de gendarme dans le. Derrière le bâtiment. Contact arrière les gars, Avance Hamza, faut que tu sécurises pour qu'on puisse se replier sur toi. On se fait attaquer sur l'arrière. On est rentré. Reçu Hamza, on est sur tes talons. Nous arrivons dans un bâtiment qui oppose notre camp aux deux autres camps, donc c'est un vrai champ de bataille. Inutile de rester sur le même front, on décide de monter à l'étage pour essayer de prendre nos ennemis à revers. Contact au fond du couloir, 30 mètres. Avant ça, 30 mètres à droite. Appelez le médic. Besoin de médic ici. Attention les gars, US sont... Médic derrière moi. On attend le médic. Hein. Médic, derrière moi. Médic, vas-y. Reçu. Les gars, contact couloir. Allez, on prend l'aide. Vas-y. Out. Putain. Je suis derrière toi. C'est bon. C'est bon, il a été touché. On cherche. Viens, vas-y, au moins, on va sur le direct quand même.
Ici, tonton, on progresse en parallèle du couloir. Pour l'avant. Merci. Je suis en parallèle avec toi. Hey, si vous voulez qu'on en profite pour recharger les PA en gaz et tout ça, on est près de là où on a posé nos billes. Ici tonton, regroupe en général à la zone où on a posé les billes. Regroupe en général à la zone où on a posé les billes. Ah oui. Bon bah la mission n'a pas été accomplie, on n'a pas réussi, bon c'est pas grave, hein, on s'est quand même bien marré. Mais le pire c'est qu'on apprend au débriefing que le bâtiment a eu tant de mal à sortir. Et ben en fait les pilotes ils étaient cachés. Bah ils étaient cachés dans ce putain de sous-sol. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Enfin, presque, puisque je vous ai quand même gardé les rushs que je n'ai pas utilisés pour ce montage. Je les mets à la fin, en musique, rythmé, effet visuel, tout ça. Donc, quittez pas tout de suite la vidéo. Il y a 2-3 minutes de rush à la fin. Alors, je voulais vous dire une chose quand même, enfin, vous poser une question, en fait, sur le nouveau format que vous venez de voir à travers cette vidéo. Vous avez pu constater un changement au niveau, notamment, des commentaires. Je ne les fais plus sous forme de sous-titres activables ou pas depuis YouTube, mais sous forme de piste audio que j'ai inclus directement en post-production. Alors, l'objectif premier, ça a été déjà de me rapprocher un petit peu de vous en m'adressant directement aux spectateurs, voilà, pour peut-être créer un peu plus de proximité et réduire la distance qu'on peut nous reprocher des fois avec le ton sérieux qu'on a et tout, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Le deuxième objectif, ça a été de vous apporter un contenu informatif plus concis à des moments clés de la partie. Alors, ça a été difficile de doser, trop de commentaires aussi, du coup on perd beaucoup en immersion, donc il a fallu doser, donc j'ai décidé de le faire à des moments clés. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous en remercie d'avance. Et puis merci d'être de plus en plus nombreux, et d'être aussi fidèles à cette chaîne, et de voir la récompense de tout ce travail bah, à travers vos commentaires, à travers les partages, à travers vos réactions. C'est très encourageant et je voulais vous remercier pour ça parce que c'est bien sûr c'est quelque chose que j'aime faire, que j'adore faire des vidéos, c'est vraiment pour moi un moyen d'expression artistique et de voir que ça plaît, bah, c'est la plus belle récompense, bah, voilà, vous voyez pas plus, donc merci. Kick.